En 1347, la peste débarque en Europe. Elle débarque au sens propre d'ailleurs, parce que c'est par les bateaux qu'elle arrive d'Asie. En novembre 1347, elle est à Marseille et elle va dévaler sur toute l'Europe. En 1352, 1353, elle est à Moscou. Et ce mal qui répand la terreur va tuer un tiers de la population européenne, presque la moitié de la population urbaine. Ce n'est pas le premier passage de la peste. En 542, sous le règne de l'empereur Justinien, une première épidémie a déjà touché le bassin méditerranéen et l'Europe. Elle passe, ressurgit çà et là jusqu'au 8e siècle, puis s'évanouit. Commence alors un long silence épidémique. Quand la peste revient, en 1347, c'est une force inconnue qui, en 5 ans, jusqu'en 1352, fait entre 25 et 45 millions de morts en Europe. On l'appelle pestilence ou grande mortalité. On parlera plus tard de mort noire, puis de peste noire. C'est la plus terrible catastrophe que le Moyen Âge ait connue. Je vais peut-être vous étonner, mais c'est un événement massif qu'on connaît très bien, mais qu'on déduit davantage qu'on ne le connaît. C'est-à-dire que ce qui documente la peste noire en Europe, c'est le silence qu'il produit dans les archives. De cette épidémie, nous n'avons qu'une connaissance par indice. Toute une série de traces signale le passage de la peste, mais sans la dire clairement. À Orvieto, en juillet 1348, le conseil de la commune s'inquiète de la montée du prix des cierges. À Sienne, le gouvernement passe de 9 à 4 membres et le chantier de la cathédrale s'arrête brutalement. À Toulouse, le prix du parchemin augmente. Les charges de notaires qui établissent les testaments se multiplient. À Givry, un village bourguignon de 2000 habitants, le curé notait dans un petit carnet les dépenses pour les enterrements. Elle monte en flèche entre juin et novembre 1348. L'historien se trouve face à la peste comme devant l'histoire de manière générale. Égaré dans une masse de documents, il traque les empreintes laissées par des événements pour reconstituer les faits. Et ces empreintes sont parfois très ténues, car la peste se révèle surtout par des manques et des vides laissés dans les archives. Par exemple, ici, dans les archives départementales du Vaucluse, nous trouvons ce registre d'un notaire d'Apte. Les actes se succèdent régulièrement jusqu'à ce jour de 1348. Puis, après un court espace, l'écriture reprend, avec une autre encre, probablement d'une autre main. Mais la date indique que l'acte est de 1350. Voilà, c'est tout. Notre indice est ce vide, ce blanc, cette lacune de 2 ans. Le document ne dit rien de la peste, mais comme nous savons qu'elle est passée par là, nous devinons ici la trace de son sillage. Le registre nous dit aussi autre chose, peut-être le plus surprenant, c'est qu'après ce manque, la vie a repris comme si rien n'avait eu lieu. En tant qu'historien, ce qui m'étonne le plus, ce qui est pour moi l'énigme, c'est pourquoi ça a si peu changé. Pourquoi, d'une certaine manière, la peste, cette catastrophe extraordinaire, change si peu de choses dans les structures sociales, dans l'imaginaire, dans
la manière de penser, d'agir, d'obéir et de croire. Car il est aujourd'hui difficile de comprendre comment la société a pu résister à un tel chaos. Les rares témoignages contemporains de la Grande Peste décrivent des scènes d'apocalypse. Le plus beau et le plus terrifiant d'entre eux est sans doute le Décaméron, écrit par Boccace en 1349. Il advint plus d'une fois qu'un même cercueil contenait soit la femme et le mari, soit deux ou trois frères, soit le père et l'enfant, ou tel et tel parent. Et là où les prêtres ne croyaient avoir qu'un mort à ensevelir, ils en trouvaient six ou huit, et parfois davantage. Mais des images aussi frappantes que celles-là, elles sont assez rares dans le Décaméron. Parce que le Décaméron de Boccace ne décrit pas la peste, il écrit la manière d'y échapper. Concrètement, ce sont quelques jeunes gens bien nés de Florence qui fuient la peste, qui vont dans une de leurs villas pour se raconter des histoires. Les fouilles archéologiques menées aujourd'hui ne confirment pas l'impression que donne Boccace d'un sauf-qui-peut funéraire. Elles révèlent au contraire une grande diversité de sépultures avec un, voire deux défunts par tombe, rarement plus. L'Église, semble-t-il, a essayé de maintenir ses rituels d'inhumation le plus longtemps possible. Dès lors qu'une catastrophe de cette ampleur advient, on va en chercher les causes au ciel. Donc, la première recherche, elle est évidemment religieuse. On est dans une pensée providentielle. Dieu ne peut pas ne pas voir le mal qu'il fait aux hommes. Donc, si il leur inflige une aussi abominable catastrophe, c'est donc qu'il a quelque chose de terrible à leur reprocher. Nous savons d'ailleurs par plusieurs textes que la première réaction des sociétés médiévales face à l'épidémie est d'organiser des processions pour éloigner les démons et expier les péchés. Évidemment, ces processions n'éloignent pas la peste. Et on comprend même assez vite qu'elles favorisent au contraire la contagion. D'autres explications sont alors recherchées, mais cette fois parmi les hommes. On accuse les nobles, les lépreux, les juifs. En un mot, on cherche un bouc émissaire. Il y a une rumeur, c'est que les juifs ne meurent pas de la peste. C'est évidemment inexact, mais on commence à le dire. Et on commence à le dire pour amener à l'idée que si les juifs ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils l'ont organisée. Et comment l'ont-ils organisée ? Eh bien, en empoisonnant alors les puits, la nourriture, etc. Donc, immédiatement, en tout cas, dans beaucoup d'endroits, on accuse les Juifs d'être responsables de l'épidémie. Ça a des conséquences très concrètes, qui sont les pogroms. À Bâle, à Fribourg, à Erfurt, de nombreux documents prouvent que les communautés juives sont victimes de massacres. Les pogroms accompagnent le trajet de la peste et parfois même la précèdent de quelques semaines, déclenchées par la simple rumeur, comme à Strasbourg, où la moitié de la communauté juive est anéantie le 14 février 1349, avant même que l'épidémie ne touche la ville. Certains vont tout de même essayer de comprendre les mécanismes du phénomène d'un point de vue scientifique, dans les mondes chrétiens et musulmans. C'est le cas des médecins comme Guy de Chauliac, à Avignon, ou Ibn Ratima, en Andalousie. L'astrologie est considérée comme une science. Les médecins vont donc d'abord étudier la conjonction des astres. Mais surtout, ils vont chercher à observer les symptômes pulmonaires et buboniques dans un étrange mélange de rationalité et de croyances religieuses. C'est-à-dire que les médecins du XIVe siècle ne vont pas se contenter de regarder les étoiles. Ils vont observer les phénomènes. Ils vont tenter de comprendre comment le mal se propage. Ils ont deux modèles pour cela. Le premier est aériste. Le mal se propage par l'air qu'on respire. Le deuxième est plus proprement contagieux. Le mal se propage par le contact.
Et d'une certaine manière, ils ne sont pas si loin de la réalité, qui n'ont aucun moyen scientifique de percer, mais que empiriquement ils approchent dès lors qu'ils comprennent qu'une des façons de lutter contre la peste, c'est quand même d'empêcher la circulation des marchandises et des hommes. Après avoir dévasté l'Europe en 5 ans, la peste revient régulièrement, presque chaque année, pendant plus de 3 siècles, de manière endémique. On vit alors au rythme de ses résurgences, notamment au XVe siècle, où elle se montre particulièrement meurtrière. La mort noire est devenue un phénomène de longue durée. Elle s'est installée de manière permanente dans le paysage et dans les mentalités. Elle marque de son empreinte la pierre des tombeaux. Voyez cette sculpture funéraire que l'on appelle un transi, saisie par la mort dans sa crudité la plus pathétique. Sculpté en 1403, ce corps décharné en état de décomposition, voire de putréfaction, est celui de Jean de Lagrange, l'un des cardinaux d'Avignon. Il figure le défunt dans sa réalité bouleversante de cadavre et non dans la béatitude du gisant qui ouvre les yeux sur la promesse de son immortalité. Cette représentation de la mort, aveugle et terrifiante, se retrouve dans un nouveau genre d'image, les danses macabres. Ce que représente la danse macabre, c'est simplement l'égalité de tous devant la mort. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est tout ça. Ce qui est terrible et effrayant pour le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge avait face à la mort une inégalité sociale qui est dont on n'a plus idée. C'est-à-dire il y a un écart de l'espérance de vie entre un paysan et un aristocrate qui est énorme. Or là, évidemment, c'est la faucheuse. Le roi, l'abbé, le paysan, la belle jeune femme, tous sont emportés. Ces rondes infernales où se mêlent les nobles et les manants, les puissants et les humbles, s'égrènent tout au long des 15e, 16e et 17e siècles et accompagnent la peste sur toute la durée de sa présence en Europe. À ces dessins de squelettes fait écho une autre image, celle du médecin de peste, qui deviendra familière à partir du 17e siècle. Hermétique et entièrement huilé, le costume prévient de tout contact et son masque au bec creux, rempli d'un mélange de camphre, de thym, de clous de girofle, de mélisse et de pétales de rose, est censé filtrer l'air de ces miasmes invisibles. Mais le mécanisme réel de la contagion restera un mystère pendant plus de 500 ans. Et quand la peste quitte l'Europe par une dernière épidémie à Marseille en 1722, on ne connaît toujours pas sa cause véritable. Il faut attendre 1894 et la troisième grande pandémie en Asie, qui fait 12 millions de morts, pour que l'énigme commence à se résoudre. À Hong Kong, un médecin, Alexandre Yersin, poursuivant les travaux de Louis Pasteur, découvre finalement le bacille de la peste, qui prendra le nom de son découvreur, Yersinia pestis. Quelques années plus tard, un autre médecin, Paul-Louis Simon, établit que le microbe est transporté par une puce, et plus précisément, par la puce du rat. Mais comme aucun texte ne témoigne de la présence du rongeur lors du premier passage de la peste en Europe sous l'empereur Justinien, l'hypothèse de la puce du rat est écartée pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'un siècle plus tard, avec le travail de l'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes osseux des animaux, représenté en France par Frédéric Audouin Rouzeau, que sont enfin réunis tous les éléments du puzzle. J'ai rassemblé petit à petit les découvertes de restes de rats dans des sites archéologiques avant le XIe siècle, que j'ai superposées à l'expansion, qui n'avait pas été dessinée par moi, de l'expansion maximale de la pandémie
justinienne de la première. Et ça correspondait. En fait, la peste justinienne s'était développée là où il y avait des rats. Quand elle revient et qu'elle balaye toute l'Europe en 5 ans, il y a du rat partout. Ainsi, ce serait lui, le responsable de la peste noire, notre rat des champs, Rattus rattus. Non, le responsable de la peste, c'est sa puce. C'est lorsque tous les rats sont morts que la puce, affamée et contagieuse, s'attaque aux êtres humains. Il reste tout de même une question. Pourquoi la puce du rat? Parmi les 2500 espèces de puces, la puce du rat présente une petite singularité que seuls les microscopes électroniques ont pu révéler. Ici, à cet endroit qu'on appelle le proventricule, une série de petites épines filtre le sang dont se nourrit la puce. Alors que chez la plupart des espèces, les microbes traversent le corps de l'insecte avec le sang, chez la puce du rat, les bacilles s'accumulent dans ces épines et forment un bouchon. Donc ensuite, quand elle va piquer un homme, elle pompe son sang sain. Le sang arrive, se bloque contre le bouchon bacillaire où il se souille de bacilles. La puce ne peut pas avaler le sang et le régurgite, le vomit, dans le point d'inoculation, par sa trompe, comme une seringue, empoisonnée. Voilà, les responsables de la peste ne sont pas les étoiles. Ce n'est pas Dieu, ni un quelconque bouc émissaire, ni même les rats, ni même la puce. Non, les responsables de la propagation de la peste, ce sont ces épines de quelques millièmes de millimètre d'épaisseur. Ce sont elles qui, au milieu du XIVe siècle, à partir des premiers foyers infectieux d'Asie centrale, ont permis aux microbes de voyager de puce en rat et de rat en homme. L'histoire de la propagation de la peste, c'est une histoire commerciale. Ça, on en est certain. On est certain, et on le comprend mieux aujourd'hui depuis que l'on a incriminé la puce du rat comme vecteur, parce que la puce du rat, eh bien, elle se loge dans les tissus et donc elle va suivre les ballots des marchands. Elle va être, évidemment, les rats sont dans les cales des navires. Donc les routes de la peste dessinent très exactement les lignes de force du commerce international. Depuis la basse vallée de la Volga, les sources russes, byzantines et arabes permettent de suivre, mois par mois, l'avancée de l'épidémie. Depuis l'embouchure du Don et les ports de Crimée, la dissémination suit l'itinéraire des navires génois. Constantinople, Messine, Marseille. Grâce au progrès de l'archéologie funéraire et de la biologie moléculaire, on peut donc repérer les routes de la peste. Ce sont les lignes de force du grand commerce eurasiatique, sillonnées de routes terrestres, fluviales et maritimes. Voilà l'Europe de la peste. Seules quelques zones ont été épargnées, celles restées à l'écart des échanges. L'Islande, la Scandinavie, une partie du monde slave. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le Maghreb, comme l'ensemble du bassin méditerranéen, a été décimé. De l'Inde, on pense aujourd'hui qu'elle fut plutôt épargnée. De l'Afrique subsaharienne, on ne sait rien. Quant à l'Amérique, elle n'existe évidemment pas pour l'Européen du XIVe siècle. Une grande partie de l'Asie et du Proche-Orient a été atteinte. Nous savons que la Chine a été touchée, mais nous ne savons pas avec quelle gravité. Une information, en tout cas, émerge de la carte. La toile de fond de l'épidémie de peste est l'espace interconnecté par l'Empire mongol fondé par Genghis Khan au XIIIe siècle. Ou plutôt, par ce qu'il en reste, avec ses deux principales branches héritières. D'un côté, la Chine de la dynastie Yuan, et de l'autre, en Asie centrale, l'Empire turco-mongol, issu du fils aîné de Genghis Khan, qu'on appelle la Horde d'or.
Après le passage de la peste, la seconde moitié du XIVe siècle verra s'effondrer le règne de la Horde d'Or ainsi que la disparition des Yuan au profit de la dynastie Ming. En Asie centrale, comme en Chine, il est fort probable que la peste fasse rupture. En tout cas, elle est contemporaine d'une rupture politique. Ce qui est frappant pour les historiens de l'Europe, c'est que on peut faire un tableau apocalyptique de la peste, mais fondamentalement, elle ne change rien. C'est comme si ce monde qui a été terrorisé par la peste, eh bien, d'une certaine manière, ne doutait pas de lui-même et repartait, je ne veux pas dire comme si de rien n'était, mais en tout cas sur les mêmes bases. Pour comprendre ce qui fait la solidité de ces bases, il faut sans doute venir ici. Ici, c'est-à-dire à Avignon, dans la capitale de la chrétienté depuis que les papes s'y installèrent au début du XIVe siècle. Là est la matrice d'un État puissant et centralisé. L'épaisseur des murs nous dit la solidité d'un pouvoir qui s'affirme. À partir de 1348, on meurt en masse à Avignon, car la concentration de la curie favorise la contagion. Le pape Clément VI tente de faire face. À lire ses sermons, on comprend qu'il sait que la mort peut surgir à tout moment. Et pourtant, le chantier d'agrandissement du palais qu'il a entrepris dès 1342 ne faiblit pas. La bureaucratie pontificale continue à tourner à plein régime, ne serait-ce que pour répondre aux suppliques qui affluent depuis l'ensemble de la chrétienté pour remplacer les charges ecclésiastiques laissées vacantes par la mort de leurs bénéficiaires. Avignon est la véritable capitale du monde chrétien. Capitale spirituelle, mais surtout capitale administrative et culturelle. À la cour de Clément VI se retrouvent les grandes figures de l'époque, le médecin Guy de Chauliac, Pétrarque, le poète, et Matteo Giovannetti, qui peint les fresques des chapelles du palais. Ces images précèdent de quelques mois le passage de l'épidémie. Avec leur diable, leur scène de terreur et d'expiation, elles nous rappellent que les croyants du XIVe siècle se savaient en sursis, dans un monde où la souffrance était déjà une compagne familière. Nous pouvons comprendre alors comment la peste va s'emparer d'une figure qui est déjà là. Peinte pour la première fois au Campo Santo de Pise durant les années 1330, 15 ans avant l'épidémie. La Grande Faucheuse. Lorsque la peste surgit, la faucheuse devient l'incarnation de la mort et trouve sa monture dans les siècles suivants. Inspirée des trois triomphes de Pétrarque, elle est debout sur un char à bœuf, écrasant les corps sur son passage. Puis, comme échappée des quatre cavaliers de l'Apocalypse, elle enfourche un cheval famélique. Ces spectres terrifiants rôdent dans les peintures et les enluminures à partir du XVe siècle et imposent la présence fantomatique de cet événement historique de longue durée qu'est la peste. Elle hante désormais l'histoire de l'art et notre imaginaire. Et notre regard contemporain ne pourra pas s'empêcher de trouver dans ce triomphe de la mort peint à Palerme en 1445 la préfiguration de Guernica que Picasso a peint en 1937 pendant la guerre d'Espagne. Au fond, la peste, elle fait date comment ? Pas seulement parce qu'elle est passée, pas seulement parce qu'elle s'est installée en Europe en 1347 et qu'elle y est demeurée jusqu'en 1722, mais parce que son empreinte la plus profonde, c'est évidemment dans l'imaginaire qu'on la trouve. Au fond, toutes les grandes catastrophes vont être comparées à elle, à des pestes modernes. On craint comme la peste telle ou telle catastrophe. C'est donc
qu'un imaginaire de la destruction s'est à ce moment-là construit autour de cet événement. Et c'est ça, peut-être, l'événement de la peste. C'est pas tant les conséquences qu'elle a. Finalement, ça ne change pas grand-chose à l'organisation des pouvoirs, à la structure sociale, à l'imaginaire même ou au système de croyance. Non, ça s'installe comme image même de la désolation. Thank you.